Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 32, Vasarya. Ange gardien relié aux puissances lunaires, il agit dans le niveau vibratoire le plus bas du cœur des dominations, le plus pétrifié, et par conséquent, il est le gardien qui manifeste son influence le plus intensément. Il est celui qui peut nous aider le plus radicalement. Les énergies de Jupiter, richesse, bien-être, joie, sont transmises par cet ange lunaire avec force et vigueur dans le fort intérieur de ses protégés. Étant donné que la vie extérieure, quotidienne, n'est rien d'autre que l'image concrète de notre réalité intérieure, la personne, sous l'influence de cet ange gardien, surtout en lui adressant sa prière, sera orientée vers des situations heureuses. C'est l'ange gardien des grands de ce monde, selon les statistiques, et cela explique que le texte traditionnel indique qu'en priant cet ange, on obtient faveur et avantage des rois, présidents et personnes puissantes. Prière à l'ange Vasarya. Vasarya, tu as mis, ange, une bien lourde tâche sur mes fragiles épaules. Mes vies antérieures rendent inévitable le fait qu'à présent je doive juger mes frères, défendre leurs droits ou les contraindre à faire face aux conséquences de leurs actes. Manifeste-toi, ange Vasarya, pour que je sois un modèle de justice. Si je suis obligée de véhiculer la sévérité, aide-moi à ne jamais sembler insolent en énonçant les sentences. Aide-moi à ressentir pour mes frères que je juge une sympathie solidaire qui leur rendra plus supportable le poids du châtiment. En toutes circonstances, fais que par ta grâce, je ne sois qu'un modeste serviteur de la loi et jamais le bras d'un arbitraire, terrestre et injuste pouvoir. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.